Bienvenue aux pasteurs, aux séminaristes et aux fidèles présents à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shenzhenji intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse la nouvelle alliance de Dieu ». Je suis Jiang Suli et je serai votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à tous ceux qui sont venus à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shenzhenji. Cette conférence témoigne clairement des prophéties de l'Apocalypse que l'on doit absolument connaître si l'on est un croyant, et même de l'accomplissement physique qui s'est accompli selon les prophéties. Cette parole de l'Apocalypse, qui n'avait jamais pu être expliquée jusqu'à maintenant, est si clairement expliquée qu'actuellement, de nombreux pasteurs dans le monde entier signent des protocoles d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchanji et veulent devenir un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchanji et témoigner des paroles de l'Apocalypse. Nous vous remercions sincèrement pour cela. La conférence d'aujourd'hui est également diffusée simultanément dans les langues du monde entier via YouTube afin que tout le monde puisse l'écouter. J'espère qu'aujourd'hui sera un moment précieux pour vous au cours duquel vous pourrez recevoir une grande grâce et réalisation. Alors, nous allons commencer par prier avec le même cœur. Dieu, notre Père très saint, et envers qui nous sommes reconnaissants. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la grâce qui nous a permis aujourd'hui de commencer la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Pendant 2000 ans, cet Apocalypse a été scellé de sept seaux dans la main droite de Dieu, et nous confessons que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait l'ouvrir ni la regarder. Cependant, dans le temps précieux d'aujourd'hui, lorsque par sa victoire, Jésus a pu ouvrir les sept seaux et a accompli les prophéties promises, il l'a montré au pasteur promis qu'il a choisi et lui a ordonné de témoigner à toutes les églises, et ainsi le monde entier a pu enfin entendre la volonté de Dieu contenue dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, les paroles d'Apocalypse 17 sont témoignées par le chef de la tribu de Simon, qui a appris directement du pasteur promis. S'il vous plaît, donnez le Saint-Esprit sans limite aux chefs de tribu, afin que le témoignage de la parole puisse éveiller l'esprit de chacun. Soyez aussi avec les pasteurs, les séminaristes et tous les fidèles assoiffés du monde entier qui sont ici pour écouter cette parole maintenant. Accordez-leur les oreilles pour entendre, les yeux pour voir et le cœur pour réaliser, afin qu'ils puissent pleinement réaliser. Nous avons prié toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ qui est vivant. Amen. Je tiens à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Il est maintenant temps de passer au moment le plus important aujourd'hui et d'écouter la parole de vie. Aujourd'hui, Sungju Li, le chef de la tribu de Simon, délivrera les paroles d'Apocalypse 17. Apocalypse 17 rapporte le secret, le mystère de la prostituée et de la bête à sa tête et dix cornes qui a enivré les hommes de toutes les nations du vin de l'impudicité. On y trouve également en détail comment la prostituée sera jugée. Savez-vous quelle est la réalité de cette prostituée et de la bête à cette tête et Si jamais je ne le sais pas, moi aussi, je peux me laisser tromper par le vin de l'impudicité de la prostituée et devenir quelqu'un qui appartient à Satan. C'est pourquoi j'espère que ce temps aujourd'hui vous aidera à comprendre clairement le secret de la prostituée et de la bête à sa tête et cornes. Maintenant, nous allons accueillir le chef de la tribu de Simon, Sunjuli, qui témoignera de la parole aujourd'hui. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Pasteur et membres du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie sincèrement d'avoir assisté à la conférence en ligne sur l'Apocalypse de nouveau ciel nouvelle terre Shinchenji, aujourd'hui. Je suis Sung Joo Lee, le chef de la tribu de Simon qui a été établi au nom de Simon, un disciple de Jésus. Aujourd'hui, vous apprendrez avec moi les paroles d'Apocalypse 17. Vous avez appris les paroles d'Apocalypse 16 avec le chef de la tribu de Philippe lors de la dernière conférence, n'est-ce pas Aujourd'hui, regardons ensemble la parole du témoignage sur la prophétie et sur la réalité accomplie selon la prophétie d'Apocalypse chapitre 17, la nouvelle alliance de Dieu. Le titre d'Apocalypse 17 est La nourriture du diable, le vin de l'impudicité. Si c'est du vin, c'est du vin. Mais pourquoi est-il dit que c'est le vin de l'impudicité Découvrons ensemble qui donne le vin de l'impudicité, la nourriture du diable, et qui le boit. Alors, le contenu clé d'Apocalypse 17, premièrement, dans l'ordre chronologique, dans Apocalypse 16, sept coupes d'or pleines de la colère de Dieu apparaissent. Les événements d'Apocalypse 17 ont lieu après que la colère a été versée sur les traîtres et les destructeurs. Et ils ont lieu à Babylone, le désert, où le peuple élu de Dieu est captif. Aujourd'hui, apprenons ensemble à propos de Babylone et de ses secrets. Le contenu des événements révèle en détail tous les secrets de ces destructeurs dans Apocalypse 13 et Apocalypse 16. Il y a trois secrets dans l'Apocalypse, n'est-ce pas Le secret des traîtres, le secret des destructeurs et le secret du Sauveur. Apocalypse 17 révèle tous les secrets des destructeurs. La composition de la référence principale commence en disant que l'on va montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de grandes eaux. Le jugement de la grande prostituée apparaît dans la dernière partie et avant cela, le mystère de la grande prostituée et le secret de la bête à sa tête et dix cornes qu'elle chevauche est révélé très en détail. C'est le secret des destructeurs et le secret de Babylone. Lorsque le peuple de Dieu captif chez ses destructeurs est appelé à en sortir, c'est la Pâque au second avènement du Seigneur et c'est le moment où la prostituée est jugée au sein de l'organisation des destructeurs. Commençons par lire la parole des versets 1 et 2 du chapitre 17. Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant ⁇ Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. ⁇ avant de regarder la grande prostituée, la femme spirituelle dans l'Apocalypse renvoie au pasteur. Tout comme une femme qui reçoit la semence de son mari donne naissance à des enfants et les élèves, le pasteur qui reçoit la semence spirituelle de la parole de la part de Jésus l'époux, qui évangélise avec la parole de Dieu et enseigne aux fidèles, avec la parole de Dieu, est une femme spirituelle. La prostituée est une femme qui a commis l'impudicité. La prostituée est le faux pasteur qui n'a pas eu de communion avec l'époux Jésus, mais avec le diable, et reçoit ainsi les mensonges du diable, le Dieu du diable, pour témoigner du mensonge. Alors, pourquoi l'appelle-t-on la grande prostituée le faux pasteur appartenant au diable est la prostituée et on l'appelle la grande prostituée car il est le plus grand des faux pasteurs. Si on regarde l'accomplissement physique, c'est M. Later du centre d'éducation des intendants qui existait dans tout le pays. Intendant signifie pasteur. Donc ce centre n'enseignait pas aux fidèles ordinaires ni aux séminaristes, mais c'était le centre d'éducation des intendants qui enseignait et éduquait les pasteurs. Parce qu'il est le pasteur d'une organisation qui enseigne aux pasteurs, il est le plus grand des pasteurs. Ainsi, la réalité de la grande prostituée est Monsieur terre du Centre d'éducation des intendants. Ensuite, quelles sont les grandes eaux sur lesquelles la grande prostituée est assise Le verset 7 de ce chapitre dit ⁇ Que cette grande prostituée est assise sur une bête à sept têtes et dix corps ⁇ La signification de ce verset, quand on regarde le verset 15, il est dit que l'eau sur laquelle la femme est assise n'est pas de l'eau physique, mais des peuples, des foules, des nations et des langues. En d'autres termes, il est dit que les grandes eaux sont les nombreux membres d'église du monde devenus la possession des faux pasteurs, soit la grande prostituée et la bête à sept têtes et dix cornes, et sont contrôlés par eux. Le verset 2 dit que les rois de la terre commettent l'impudicité avec cette grande prostituée et que les habitants de la terre sont ivres de ce vin de l'impudicité donné par la grande prostituée. Premièrement, qui sont les rois de la terre Dans 1 Pierre 2.9, le roi spirituel est le sacerdoce royal, soit le prêtre-roi. Parce qu'ils ont commis l'impudicité avec la grande prostituée. Les pasteurs de chaque dénomination appartenant à la prostituée sont les rois de la terre. Et les habitants de la terre, tout comme les hommes sont gouvernés par un roi, ce sont tous les membres d'église appartenant à ces pasteurs et recevant leurs enseignements. Ce sont les habitants de la terre. Mais il y a un gros problème ici, alors non Tous les membres d'église qui sont instruits par ces pasteurs, sont ivres du vin de l'impudicité. Qu'est-ce donc que ce vin de l'impudicité D'abord, le mot vin dans la Bible signifie la parole. Dans Jean 15, verset 1, Jésus est le vrai cèpe, le vrai plant de vigne. Ainsi, les paroles de Jésus sont le vrai vin, n'est-ce pas Mais dans la Bible, dans Ésaïe 5, deux types de vignes sont mentionnés. On a d'un côté la vraie vigne, le plan délicieux, et à l'inverse, la vigne sauvage des païens qui apparaît. Le vin qui vient de la vigne sauvage des païens est le vin de l'impudicité. Pourquoi Parce que c'est la parole de Jésus mélangée aux doctrines du diable en raison de l'impudicité commise avec le diable. Comme ce sont les paroles du diable obtenues en commettant l'impudicité, c'est donc le vin de l'impudicité. Ceux qui mangent la doctrine du diable, comme leur esprit meurt, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Car si vous en mangez, vous mourrez. Dans Daniel 4, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui détruit et tue le peuple élu de Dieu, est comparé à un grand arbre. Le diable était avec cet arbre, bien sûr. Alors cet arbre devient la vigne sauvage des païens, et parce que le diable est avec lui et tue le peuple élu de Dieu, il devient l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deutéronome 32 nous dit que ce vin de la vigne de l'ennemi est le venin des serpents qui tue les hommes. La réalité de ce vin de la pudicité est... Les commentaires. De cette façon, si vous regardez les paroles d'Apocalypse 17 et 18 aujourd'hui, tout comme Nebuchadnezzar, roi de Babylone qui était avec le diable, la grande prostituée, le faux pasteur, qui est le roi spirituel de Babylone, apparaît. La prostituée de Babylone donne le vin de l'impudicité, n'est-ce pas ainsi, la prostituée de Babylone qui donne le vin de l'impudicité est la vigne sauvage des païens qui est avec le diable. Et puisque si on en mange, on meurt, c'est donc la réalité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui qui donne le vin de l'impudicité est la prostituée. Le vin de l'impudicité est la doctrine du diable et les mensonges obtenus en commettant l'impudicité avec le diable. C'est dire Ça veut dire ci, ça veut dire ça, sans avoir vu ni entendu. Les commentaires contenant le mensonge, quand on ajoute ou retranche, est la réalité du vin de l'impudicité. Qui boit ce vin de l'impudicité au verset 15 de ce chapitre, il s'agit de tous les membres d'Église du monde qui appartiennent à la prostituée, soit les peuples, les foules, les nations et les langues. Dans Apocalypse 18, il est dit que toutes les nations sont tombées à cause du vin de l'impudicité. Toutes les nations sont tous les pays, n'est-ce pas Le roi gouverne le pays, mais le roi spirituel, le pasteur, gouverne et dirige l'Église. Alors, l'expression toutes les nations signifie toutes les Églises, n'est-ce pas Il est dit que toutes les Églises ont bu le vin de l'impudicité donné par la prostituée, la nourriture du diable, les commentaires, et que leurs esprits sont en train de mourir. Sont morts. N'est-ce pas vraiment très grave ce qui s'est passé? Il est dit que les croyants qui aspirent au royaume des cieux et à la vie éternelle ne mangent pas la nourriture de Dieu, mais la nourriture du diable, le vin de l'impudicité, les commentaires et que tous leurs esprits sont morts. Donc nous devons prendre au sérieux ces paroles et cet événement et comprendre cette parole point par point et essayer de faire la distinction. La nourriture que nous devons manger est la nourriture de Dieu, pas la nourriture du diable, n'est-ce pas Dans Apocalypse 2, verset 17, nous voyons la nourriture de Dieu à manger au second avènement du Seigneur. Jésus a promis de donner la manne qui était cachée au vainqueur. Cette manne qui était cachée est la nourriture de Dieu. Pendant combien d'années Dieu l'a-t-il caché Oui, l'Apocalypse de Jean, qui était scellé avec sept seaux dans la main droite de Dieu et était caché pendant 2000 ans, c'est la nourriture de Dieu. L'Apocalypse de Jean est la nouvelle alliance établie par le sang de Jésus. Ainsi, Jésus a pris de la main de Dieu les paroles d'Apocalypse, de l'Apocalypse de Jean, scellé de sept seaux et a ouvert tous les sept sceaux dans Apocalypse 6 et 8 et a accompli les paroles de la prophétie de l'Apocalypse dans la réalité et la parole qui révèle et montre toute cette réalité est la parole révélée de Jésus. La prophétie de l'Apocalypse et les paroles de l'accomplissement physique c'est précisément la manne qui était cachée. La nourriture de Dieu. Qui donne cette nourriture Puisque Jésus l'a donnée au vainqueur, nous devons manger la nourriture de Dieu, la parole révélée de Jésus, à travers le vainqueur. Ensuite, nous lirons les versets 3 à 6. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Tout d'abord, le Saint-Esprit emmène l'apôtre Jean dans le désert. Quel genre d'endroit est ce désert Le lieu où il y a la tentation du diable. Lors du premier avènement, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Là, Jésus a été également tenté. De la même façon aujourd'hui, lorsque les paroles de ce texte sont accomplies, le Saint-Esprit conduit nouveau Jean dans le désert. Là, il a été tenté d'être saisi d'un grand étonnement en y voyant la grande prostituée. Il y a une bête écarlate à sept têtes et dix cornes que Jean a vue dans ce désert. Vous vous souvenez de cette bête oui, c'est la bête que nous avons vue lorsque nous avons appris Apocalypse 13. C'est aussi la bête que nous voyons dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 13, cette bête monte de la mer dans le tabernacle du ciel et combat le peuple élu de Dieu dans le tabernacle du ciel et est victorieuse. Ainsi, cette bête... Ce sont les destructeurs qui ont dévoré le tabernacle du ciel et le peuple élu et les ont détruits. Alors, quel genre d'entité sont ces bêtes, les destructeurs, et quel en est l'accomplissement physique Ceux qui peuvent témoigner de la réalité de ces bêtes sont ceux qui ont combattu et vaincu ces bêtes dans Apocalypse 12, soit les vainqueurs. Parce que les vainqueurs ont vu cette bête, les destructeurs, sur les lieux des événements et l'ont combattue et vaincue, ils savent qui sont les sept têtes, à quoi elles ressemblent, quel est leur nom et quelles actions destructrices ces bêtes, les destructeurs, ont commises. Nous croyons que le vainqueur... C'est toutes ces choses, parce qu'il l'a vu directement sur le lieu des événements. C'est pourquoi, dans Apocalypse 15, le lieu où se trouvent les vainqueurs est appelé le Temple du Tabernacle du témoignage, car ils peuvent témoigner de la réalité de la bête. Quelle est la réalité de cette bête Les sept pasteurs du Centre d'éducation des intendants et M. Later, qui vient du temple du tabernacle et est devenu un avec ses sept pasteurs, sont le groupe de la bête. Ensuite, sur cette bête, il y a la prostituée et il est dit qu'elle s'appelle Babylone. Pourquoi la prostituée s'appelle-t-elle Babylone Babylone, dans la Bible, est le royaume des démons païens. À chaque époque, Babylone a détruit le royaume de Dieu, le tabernacle du peuple élu de Dieu, n'est-ce pas? Babylone est le royaume des démons qui a détruit le royaume de Dieu. Ainsi, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse aussi, quand on regarde les paroles des chapitres 18 et 17 de l'Apocalypse, on découvre que le repère des mauvais esprits, des démons, était la femme prostituée et la bête à sa tête et dix cornes les destructeurs. Ils sont le repère des démons qui est avec les démons et les destructeurs qui ont détruit le tabernacle du ciel, soit le tabernacle du peuple élu et le royaume de Dieu dans l'Apocalypse. Ainsi, le nom de la prostituée est Babylone, car c'est le repère des démons et des destructeurs qui ont détruit le peuple élu de Dieu. Mais ici, un problème se pose. Ce groupe de la prostituée est Babylone, la demeure des démons, et c'est un secret. Secret signifie que personne ne sait, n'est-ce pas Pourquoi Lorsque les paroles de cette prophétie sont accomplies, la réalité de cette Babylone est le centre d'éducation des intendants. C'est un établissement d'enseignement qui enseigne les pasteurs, n'est-ce pas Ainsi, les pasteurs qui ont été instruits par ces pasteurs au centre d'éducation des intendants et les membres d'église qui ont été instruits par eux ne savaient pas du tout que cette prostituée et cette bête étaient le royaume des démons et que c'était Babylone. Au contraire, ils ont mal compris et pensé que c'était les pasteurs de Dieu avec le Saint-Esprit de Dieu et le royaume de Dieu et personne ne savait. Tout comme lors du premier avènement, Satan le diable et les mauvais esprits ont utilisé les scribes et les pharisiens et ont détruit tout le judaïsme, n'est-ce pas C'est-à-dire que les scribes et les pharisiens étaient la Babylone spirituelle. Mais les juifs Savait-il que les scribes et les pharisiens étaient le royaume de démons et Babylone Personne ne savait. C'est pour ça qu'ils sont devenus un avec les scribes et les pharisiens et ont persécuté Jésus. Mais à cette époque, il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait ce secret, Jésus. Alors Jésus a révélé au monde tous les secrets des scribes et des pharisiens, n'est-ce pas de la même manière, encore aujourd'hui, le groupe de la prostituée est le repère des démons de Babylone et personne ne connaissait ce secret. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui connaît le secret de la prostituée Babylone. Qui est-ce Si nous lisons simplement les paroles de l'Apocalypse, réaliserons-nous tout Non. Comme le montre le verset 3 de ce chapitre, il a maîtrisé les choses profondes de Dieu, c'est-à-dire tous les secrets de Dieu. Parce que le Saint-Esprit lui a révélé et enseigné tous ses secrets sur les lieux des événements, celui qui a vu, entendu et réalisé le secret est celui qui a vu le secret de la prostituée, soit Babylone, la bête. Qui en est la réalité, c'est Nouveau Jean. C'est Manhili, le représentant de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage. Il y a trois secrets dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Dans Apocalypse 1, le secret de la trahison, soit le secret des sept étoiles et des sept chandeliers d'or. Dans Apocalypse 17, le secret de la destruction, soit le secret de la prostituée et de la bête à sept tête et dix cornes. Et dans Apocalypse 10, le secret de la septième et dernière trompette, soit le secret du salut. À qui a-t-il révélé tous ces trois secrets dans l'Apocalypse Jésus, à nouveau Jean. Le Saint-Esprit, à nouveau Jean. Et l'ange, à nouveau Jean. Ils ont tous montré et enseigner directement tous ces secrets à nouveaux gens sur les lieux des événements. C'est pourquoi nouveau gens a vu et entendu ces secrets lui-même, donc il est celui qui a réalisé et peut témoigner de tout. Amos 3, verset 7 dit aussi que Dieu n'a rien fait sans révéler le secret de Dieu à ses serviteurs, les prophètes de cette façon, lorsque l'apocalypse s'accomplit, la réalité de ces trois secrets est montrée à nouveaux gens, manhili, le représentant de nouveau ciel, nouvelle terre, shinjé, église de jésus, temple du tabernacle du témoignage. et nouveaux gens voient ce secret et en témoignent au monde entier. c'est pourquoi le président manhili a vu et entendu les prophéties de l'apocalypse et les réalités qui se sont accomplies. Il a lui-même entendu et vu les secrets et organise actuellement les conférences sur l'Apocalypse dans le monde entier. J'espère que lorsque vous entendrez le témoignage concernant ces secrets, les prophéties et leur accomplissement, vous réaliserez cette parole et deviendrez le peuple du royaume des cieux qui garde la nouvelle alliance. Ensuite, il dit que cette grande prostituée est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Pourquoi tout d'abord, les impudiques, les prostituées de la terre, sont les faux pasteurs qui reçoivent la doctrine du diable et enseignent des mensonges en raison de leur communion avec le diable. Les abominations, ce sont les membres d'église du faux pasteur, la prostituée, et ils deviennent des abominations parce qu'ils ont écouté la doctrine abominable du faux pasteur, le mensonge. Alors, pourquoi la grande prostituée est-elle appelée mère Parce qu'au lieu de l'époux Jésus, elle a reçu la doctrine du diable, la semence du diable, par la communion avec le diable, et est l'enseignant qui a donné naissance à des pasteurs et des fidèles, les a nourris et leur a enseigné. Le secret de la grande prostituée est vraiment grand, n'est-ce pas avec le secret de cette grande prostituée, la bête à sept têtes et dix cornes sur laquelle elle est montée est aussi un secret. Le mystère de ces destructeurs est bien raconté dans les versets 7 à 13. Alors, nous allons lire. Et l'ange me dit, Pourquoi t'étonnes-tu Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Premièrement, le secret des sept têtes. Il est dit que ces sept têtes sont sept montagnes. Et ce sont sept rois. Comment sept têtes peuvent-elles littéralement être sept montagnes et sept rois en même temps Vous devez savoir que cela a été écrit en parabole. Premièrement, les sept têtes sont les sept chefs qui ont reçu l'autorité du diable et elles sont les sept dirigeants. Les sept montagnes sont la montagne spirituelle, l'église où les gens qui ont été créés à partir de la terre sont rassemblés. Les sept rois, comme il y a l'expression des prêtres comme des rois, le pasteur est donc un roi spirituel. Ensuite, la raison pour laquelle il est dit que les sept têtes sont sept montagnes et sept rois en même temps est que les sept têtes qui ont reçu l'autorité du diable, les sept dirigeants, sont les sept pasteurs qui dirigent cette église. Ce n'est pas sous prétexte qu'il y a sept pasteurs ensemble qu'ils sont automatiquement les sept têtes des destructeurs. On les appelle les sept têtes parce que... Les sept pasteurs représentants de leurs églises qui dirigent leurs dénominations et leurs églises sont réunis. Les réalités de ces sept têtes sont les sept pasteurs du centre d'éducation des intendants. Et sur ces sept têtes, cinq sont tombés. Une existe et l'autre n'est pas encore venue. Cela signifie que ces cinq, parmi elles, cinq sont détruites et que cinq de ces sept pasteurs du centre d'éducation des intendants, donc leurs noms de famille seulement, sont écrits et sous forme de pseudonyme. Donc ces cinq pasteurs possèdent le pouvoir, puis sont dispersés et détruits. Lorsque l'on dit un existe, cela désigne monsieur la du centre d'éducation des intendants, la grande prostituée. Cette grande prostituée possédait l'autorité depuis le début. Une autre, celle qui n'est pas encore venue est l'un des sept pasteurs du centre d'éducation des intendants et est le pasteur monsieur Intel. Avec le même nom de famille que M. la Terre la prostituée. Et celui qui vient en dernier est le pasteur qui possède le pouvoir pendant un moment, puis part. Toutes ces choses sont des preuves très importantes qui peuvent témoigner de l'identité des sept têtes, les destructeurs. Ce n'est pas juste parce qu'il y a sept personnes ensemble que ce sont les sept têtes. Pour qu'ils soient les sept têtes, les destructeurs, témoignés dans l'apocalypse, il faut qu'il soit la réalité accomplie des prophéties de l'Apocalypse et que l'on en témoigne telle qu'elle. Ensuite, qui est la bête qui était et qui n'est plus Et qu'est-ce que cela signifie de dire que cette bête est le huitième roi Tout d'abord, laissez-moi vous parler de la réalité de la bête qui était et qui n'est plus. C'est Monsieur le Serpent qui est issu du Temple du Tabernacle et ne fait qu'un avec les destructeurs. Ce Monsieur le Serpent possédait le pouvoir en tant que destructeur dans le Temple du Tabernacle, mais avait des problèmes avec les évangélistes du Temple du Tabernacle. Alors, il est allé sur l'île de Jeju pendant un certain temps. Cependant, afin de résoudre tous ces problèmes, ils se sont contactés avec le pasteur Intel, le représentant du Temple du Tabernacle. Et ils ont résolu tous les problèmes avec les évangélistes. Et il est revenu au Temple du Tabernacle et a à nouveau repris le pouvoir. Nouveau Jean a vu lui-même la réalité physique accomplie selon la parole concernant le fait qu'il était sur les lieux des événements, puis n'était plus, et est revenu. Qui pourrait témoigner du processus d'apparition de cette bête? Seul celui qui l'a vu peut témoigner de tout ce processus en détail. La raison pour laquelle Monsieur le Serpent est appelé le huitième roi est qu'il a évincé les sept destructeurs et devient le dernier pasteur à avoir le pouvoir pour de bon. Ensuite, il y a dix cornes qui sont attachées à la tête et symbolisent le pouvoir et l'autorité. La corne d'une bête n'est-elle pas aussi un symbole de force au combat Par comparaison, les cornes attachées à la tête, puisque la tête est le chef, le pasteur, ce sont les dix figures d'autorité qui sont attachées au pasteur et possèdent l'autorité. Cette bête appartient à Monsieur le Serpent, appelé le huitième roi, et ce sont les dix figures d'autorité qui possèdent le pouvoir. Sa réalité est les dix anciens qui ont reçu la position d'anciens en ce temps-là. Il est dit que ces dix cornes n'ont pas reçu de royaume. Le sens de ces mots est que le roi dans l'Apocalypse se réfère au pasteur. Le roi dirige le pays et le pasteur dirige l'Église, n'est-ce pas Dire qu'ils n'ont pas reçu de royaume signifie qu'ils n'ont pas d'Église qu'ils dirigent. Donc cela signifie qu'ils n'ont pas d'Église qu'ils gouvernent directement en tant que pasteur en chef. Mais en appartenant au huitième roi, Monsieur le Serpent, les dix anciens qui ont autorité comme des rois, des pasteurs, deviennent dix cornes, dix figures d'autorité. Les dix cornes et le huitième roi se sont unis afin d'accomplir un but commun. Ils ont donné l'autorité au huitième roi. Ce but commun qu'ils ont est mentionné au verset 16 de ce chapitre. Ils haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est leur but commun. Lisons la parole des versets 14 à 18. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Le fait de les faire sortir et de les appeler. C'est la Pâque au second avènement et c'est le jugement de la prostituée. D'abord, Jésus les appelle et les fait sortir et il dit que les sincères vaincront. Quel est cet événement? Dans le royaume de la grande prostituée et de la bête à cette tête et dix cornes, ils combattent et vainquent cette bête et sortent pour venir au temple du tabernacle du témoignage. Et c'est la Pâque au second avènement du Seigneur. Le royaume de la bête était Babylone, le royaume du diable, n'est-ce pas C'est faire la Pâque au second avènement que d'être appelé au temple du tabernacle du témoignage depuis cette Babylone, et d'être retiré et de sortir de Babylone, le royaume de la bête, pour venir au temple du tabernacle du témoignage. Il nous est dit que ceux qui combattent et vainquent cette bête sont des personnes sincères. Nous avons illustré ces paroles ici. Au temps de la fin, lorsque l'Apocalypse est accomplie, qui Satan, le diable, utilise-t-il pour travailler il travaille à travers la prostituée et la bête à cette tête édiquant. C'est donc le repère des démons et Babylone, le royaume du diable. Parce que c'est Babylone, ils ont capturé le tabernacle du peuple élu de Dieu et l'ont détruit. Le peuple du tabernacle du peuple élu de Dieu, qui a été capturé, boit le vin de l'impudicité donné par la prostituée, la nourriture du diable. Et après avoir mangé ces commentaires, leur esprit est mort. Dans Apocalypse 18, il est dit que non seulement le peuple du tabernacle de Dieu qui a trahi, mais aussi toutes les nations ont été détruits par le vin de l'impudicité. On nous dit que l'esprit de tous les membres d'Église qui aspirent au royaume des cieux et à la vie éternelle est mort à cause de la doctrine du diable qui est les commentaires, le vin de l'impudicité. Il faudrait épouser l'époux Jésus. Mais Apocalypse 18 témoigne du fait qu'ils ont épousé Satan le diable. N'est-ce pas vraiment quelque chose de vraiment grave Ne devriez-vous pas y réfléchir profondément Qui suis-je dans cette Bible De qui suis-je en train de manger la nourriture et avec qui me suis-je marié Ne devriez-vous pas savoir À ce moment-là... Le vainqueur est devenu un avec Jésus, l'agneau, et a combattu et vaincu le groupe de la bête dans Apocalypse 12. Et dans Apocalypse 16, il est devenu une coupe de la colère et a jugé cette bête, n'est-ce pas Après le jugement, dans Apocalypse 17, il a révélé tous ses secrets au monde. Et en tant que pasteur promis de Dieu, il a témoigné au monde entier de tout ce qu'il a vu et entendu. La parole révélée accomplie du Nouveau Testament, les prophéties de l'Apocalypse et la parole de l'accomplissement physique. Lorsque l'on entend les paroles de ce témoignage, ne soyons jamais arrogants, mais réalisons ce que nous avons mangé et où, avec qui nous nous sommes mariés. Et observons absolument la Pâque du second avènement qui consiste à sortir pour venir au temple du tabernacle du témoignage, le royaume de Dieu. Cette Pâque est un événement qui s'est produit à chaque époque. À l'époque de Moïse aussi, Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir et appeler le peuple de Dieu captif en Égypte. Au premier avènement aussi, à travers Jésus, Dieu a fait l'œuvre du salut en appelant et en faisant sortir les juifs du judaïsme, retenus captifs par la Babylone spirituelle, les scribes et les pharisiens qui étaient avec le diable. C'est la Pâque au premier avènement. De même, nous devons savoir qu'au second avènement aussi, dans la parole promise de l'Apocalypse, la Pâque est promise lorsque l'agneau Jésus utilise le vainqueur le nouveau Jean, et appelle le peuple élu de Dieu qui était captif de Babylone, le royaume de la bête, au temple du tabernacle du témoignage, en leur témoignant des prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Vous devez savoir que cela s'est accompli ainsi. C'est pourquoi des centaines de milliers de personnes ont afflué vers le Temple du Tabernacle du témoignage après avoir entendu les prophéties et l'accomplissement de l'Apocalypse. Et maintenant, les paroles de la conférence sur l'Apocalypse, témoignage sur les prophéties et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, sont diffusées dans le monde entier. De nombreux pasteurs qui ont entendu ces paroles ont signé un protocole d'entente et réalisent les paroles de l'Apocalypse et les enseignent aux membres de l'Église qu'ils dirigent. Au nom de Jésus, je prie pour que les pasteurs et les fidèles réalisent la parole de la nouvelle alliance, tiennent la promesse de la Pâque au retour du Seigneur, gardent la nouvelle alliance et reçoivent toutes les bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ensuite, les dix cornes et la bête haïssent cette prostituée, la dépouillent et la mettent à nu. Ici, les dix cornes sont dix figures d'autorité et dix anciens, et la bête est le huitième roi, monsieur le serpent issu du temple du tabernacle. Les dix cornes, les dix anciens, donnent toute autorité à la bête, Monsieur le serpent. Et ils haïssent la prostituée. Au début, ils l'ont aimée. Mais après avoir été jugés dans Apocalypse 16, ils la haïssent. Comme ils la haïssent, les prostituées et les rois de la Terre, ils désignent tous la prostituée, n'est-ce pas Ils exposent la honte de l'impudicité avec tous les habitants de la Terre et avec les mauvais esprits. Et c'est ce qui correspond au fait de la dépouiller et de la mettre à nu. Prostituée, à cause de toi, nous avons commis la pudicité avec les mauvais esprits. Toutes ses fautes et sa honte sont exposées ainsi. Et il est dit qu'ils mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ces paroles consistent à prendre la doctrine de la prostituée comme nourriture spirituelle et de la manger jusqu'à en être rassasiée. Jusqu'à quand Jusqu'au jugement. Cependant, après avoir été jugés, ils se sont retournés contre elle et ont dit qu'elle avait tort. Au début, ils pensaient que la doctrine de la prostituée était la nourriture de Dieu et l'on mangeait, mais après avoir été jugés, la doctrine de la prostituée se révèle être la nourriture du diable et le vin de l'impudicité. Alors, quand ils se retournent contre elle et disent que la doctrine du diable, la doctrine de la prostituée est fausse, cette parole, comme quoi elle est fausse, devient le feu de la parole et juge la prostituée. En d'autres termes, ils ont exploité, puis trahi la prostituée. Au début, la prostituée régnait sur la bête avec sa tête et dix cornes. Mais après le jugement, la bête à dix cornes juge la prostituée. Pour résumer, cette parole selon son accomplissement physique. Après avoir été jugés, les sept pasteurs appartenant au centre d'éducation des intendants qui sont venus de la mer et la prostituée qui était là, la grande prostituée, c'est M. la Terre, donc ces personnes-là et la bête à dix cornes, le huitième roi, M. le Serpent et les dix anciens qui étaient ensemble seront divisés. En ce temps-là, l'agneau Jésus a fait de nouveaux gens le vainqueur. Le pasteur promis, pour témoigner au peuple de Dieu qui est captif de ces personnes, les prophéties de l'Apocalypse et les paroles de l'accomplissement physique, les paroles révélées du Nouveau Testament. Le peuple de Dieu qui a entendu et a réalisé la parole de témoignage est retiré et a été appelé pour être emmené au Temple du Tabernacle du témoignage et la Pâque a lieu. Apocalypse 18, verset 4 nous dit aussi, mon peuple, le peuple de Dieu, ne reste pas à Babylone, le royaume des démons, mais sort de là, sort. L'accomplissement physique de la parole des prophéties de l'Apocalypse s'est accompli tel quel et s'accomplit toujours. Gardons à tout prix la parole de la nouvelle alliance. Dans le royaume de la bête, les dix anciens, la bête à dix cornes et Monsieur le serpent qui sont devenus un, ont haï cette prostituée, M. Later. Nous avons commis l'impudicité avec les mauvais esprits à cause de M. Later. Et votre doctrine est la nourriture des mauvais esprits. C'est à cause de toi que ça s'est mal passé. Avec un cœur rempli de haine, ces mots deviennent un feu et la prostituée, M. la terre, sera jugée. C'est pourquoi M. le serpent a été appelé le huitième roi, car il s'est emparé du royaume de la prostituée et a été le dernier à s'emparer de l'autorité. Cependant, eux aussi sont complètement jugés et s'effondrent dans Apocalypse 18. J'espère que vous apprendrez bien les paroles d'Apocalypse 18 la prochaine fois. Pour résumer les paroles d'Apocalypse 17 que nous avons apprises jusqu'à présent, l'ange emmène nouveaux gens dans le désert et lui montre le secret de la prostituée assise sur de grandes eaux et le secret de la bête à sa tête et dix Ainsi, celui qui a vu et entendu le secret des destructeurs est nouveau Jean. Et sachez donc que le seul qui peut témoigner du secret de Babylone et du secret des destructeurs et même de leur réalité, c'est uniquement le messager de Jésus, nouveau Jean. Et il y a la Pâque, lorsque Jésus, avec nouveau Jean, fait sortir et appelle le peuple de Dieu captif de la bête. A l'inverse, dans le royaume de la bête, la bête a dix cornes, juge la prostituée et s'empare du royaume de la prostituée et reçoit l'autorité. Ce sont les événements clés d'Apocalypse 17. Chers pasteurs et tous les croyants du monde entier, c'est une période de tribulation vraiment difficile et grande. Dans des temps comme ceux-ci, cherchons Dieu de plus en plus et entrons dans la parole de Dieu. Alors devenons un avec Dieu dans cette parole et devenons une seule famille. Aimons-nous et pardonnons-nous les uns les autres. Au cours des 6000 ans d'histoire, beaucoup de personnes ont cru en Dieu, mais n'ont pas tenu les promesses de Dieu. Mais nous gardons la nouvelle alliance en réalisant les prophéties de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu et les paroles de témoignage de leur accomplissement, afin que nous puissions recevoir ensemble les bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. Nous sommes un en Dieu. oui are one. Nous allons prier. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous vous rendons grâce de nous avoir guidés afin que nous puissions méditer et comprendre les paroles d'Apocalypse 17 qui a été établie par le grand amour et le sang de Jésus sur la croix sur laquelle il est mort pour nos péchés. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, donnez-nous les yeux pour voir les oreilles pour entendre et un cœur pour réaliser chaque fois que nous entendons ces précieuses paroles, afin que nous puissions garder la nouvelle alliance et recevoir toutes les bénédictions du royaume des cieux, le peuple du royaume des cieux. En particulier, nos précieux pasteurs, accordez-leur la sagesse, la réalisation et la grâce du ciel afin que les membres d'Église dirigés par les pasteurs aussi réalisent les prophéties et l'accomplissement de l'Apocalypse et deviennent tous le peuple du royaume des cieux qui peut garder la nouvelle alliance. S'il vous plaît, aidez-nous à faire en sorte que toutes les conférences restantes se déroulent bien dans la grâce du Seigneur. Protégez la santé de tous ceux qui nous écoutent et protégez leur environnement afin qu'ils puissent bien comprendre la parole et vaincre jusqu'à la fin. Nous rendons grâce pour tout et prions au nom de Jésus qui est très aimant. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À propos de la réalité de cette Babylone spirituelle, maintenant, la prostituée dans Apocalypse 17 est jugée et est désormais révélée dans le monde entier. Il est dit que ces faux pasteurs se sont enrichis à travers l'autorité ecclésiastique de Babylone et à travers les fausses cargaisons de Babylone et ces choses sont maintenant exposées et jugées et terminées de sorte qu'elles périront aussi ensemble. Après avoir écouté les paroles du chapitre 17, nous avons hâte d'écouter Apocalypse 18. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ce jeudi, Tse Sang le chef de la tribu de Thomas, témoignera des paroles d'Apocalypse 18. Ce sera à 10h du matin, comme aujourd'hui. En outre, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchenji et sa doctrine, autre que celle que vous avez entendue aujourd'hui, veuillez contacter le numéro référent pour chaque tribu, comme affiché à l'écran. Nous vous guiderons dans le détail et avec amabilité. Ensuite, nous terminerons en faisant le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec cela, nous conclurons la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shinchanji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous ceux qui ont été avec nous jusqu'à présent.